Les trois petits bergers, un conte qui fait réfléchir, petits et grands, sur la venue de celui qui va naître. La nuit était transparente. Les étoiles resplendissaient comme les étincelles d'un feu de joie. Des parfums suaves flottaient dans l'air hivernal. Une merveilleuse douceur enveloppait toutes choses. Abel, Elie et Joël, trois petits garçons, écoutaient émerveillés des chants célestes ils leur cœur. Des anges proclamaient, « Hosanna, Hosanna, paix aux hommes de bonne volonté. Un roi de gloire est venu jusqu'à vous, Hosanna au plus haut des cieux. Il faut y aller, dit Élie. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de voir un roi. Si je pouvais entrer à son service, ce serait plus glorieux que de garder des troupeaux. Je abandonnerais tes, tes moutons, « Dis, Joël, si tu peux faire. Certainement, si je pouvais faire quelque chose de plus important, et c'est peut-être l'occasion, quand un roi se déplace, il a toute une escorte avec lui. S'il pouvait m'enrôler, j'arriverais bien petit à petit à monter en grade et devenir un grand personnage. Et puis, dit Abel, un roi, c'est quelqu'un de très riche serait peut-être la chance de faire fortune. Joël regarda ses deux amis. Les anges ont dit un sauveur. Je voudrais savoir de quoi il vient nous sauver. De l'obscurité de notre vie, dit Elie, qui nous apporte la puissance. De la pauvreté, dit Abel, il nous apporte la richesse. Je ne sais pas, dit lentement Joël, ils ont dit aussi Paix aux hommes de bonne volonté. Il vient peut-être nous donner la paix. C'est cela que je voudrais lui demander, mais je suis quelqu'un de bien trop petit pour oser parler à un roi. C'est pourquoi, si nous y allons, reprit Elie, il faut nous faire bien voir. J'emporterai ma flûte et je lui jouerai l'air que je sais le mieux. Vous savez, la 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 la. Je le joue très bien. Il me prendra peut-être dans ses musiciens. Moi, dit Abel, je lui apporterai mon plus beau fromage. Je comptais le manger demain, mais si je deviens cuisinier du roi, je gagnerai de quoi m'acheter bien d'autres choses. Moi, dit Joël, je lui dirai merci de nous avoir envoyé des anges. C'était si beau de les entendre. Je le lui dirai tout bas dans mon cœur que je n'oserais jamais parler à un roi de gloire. Les trois bergers se mirent en route à travers la montagne. La nuit était si claire qu'ils cheminaient sans difficulté. Ils arrivèrent devant les tables. La porte était ouverte car il y avait déjà d'autres bergers venus des collines voisines. Cela contraria Abel et Élie. Si le roi allait trouver quelqu'un de mieux qu'eux, ils se faufilèrent au milieu de la grotte, poussant un peu les uns et les autres et ils s'arrêtèrent devant la crèche. Ils étaient un peu dessus. Les anges avaient dit qu'il y avait un roi. C'était certainement vrai, mais ce petit bébé, dans la pauvreté de son berceau mangeoire, n'avait rien de royal. Et l'âne et le bœuf était de bien curieux courtisans. Pourtant, comme il ne voulait pas se fier aux apparences et qu'il voulait aussi mettre toutes les chances de son côté, il y tira sa flûte de son manteau et se mit à jouer. Il jouait bien, très bien, et en jouant, il épiait l'impression que faisait la musique sur la mère et l'enfant. Jésus dormait. Marie écoutait, la tête un peu penchée. Quand Elie s'arrêta de jouer, elle lui sourit d'un sourire un peu triste et dit, C'est très joli cette terre de flûte. Je te remercie de l'avoir joué pour mon enfant. J'en connais beaucoup d'autres, dit Elie d'un air important. Si le roi veut me prendre parmi ses musiciens, je lui en jurerai qu'il aimerait sûrement la musique qu'il préférait la prière, dit doucement Marie. Pensez-y, berger. Élie se sentit gênée. Il recula de quelques pas, laissant la place à Abel. Princesse, dit celui-ci, j'ai apporté pour ton fils le plus beau de mes fromages. Je l'ai fait moi-même et ce sont les meilleurs de la vallée. Si le petit roi veut me prendre à son service, je peux lui en faire chaque jour de nouveau. L'enfant dormait toujours. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, dit Marie en regardant le berger et elle ajouta, Si tu veux servir mon fils, apprends à partager avec les pauvres, c'est ainsi que tu seras son disciple. Abel baissa les yeux. Il lui semblait que la mère du roi lisait dans son cœur et il n'était pas très fier des désirs de richesse qu'elle y voyait. Il recula, lui aussi, pour laisser la place à Joël, mais celui-ci était resté près de la porte. Il regardait la crèche, l'enfant qui dormait si confiant malgré le va-et-vient des visiteurs, le visage si bon et énergique de Joseph, la tendresse qui émanait de Marie. Il sentait son cœur se dilater d'amour. Non, ce n'était ni la puissance, ni la richesse qu'apportait ce roi tellement fragile et démuni, mais l'amour d'un Dieu proche de nous. Parce qu'il n'avait rien, il comblait le cœur de joie et de paix comme l'avaient chanté les anges. Le petit berger joignit les mains, comme je voudrais m'approcher de ce petit roi, mais je ne puis rien pour mériter de le servir. Je puis tout au moins servir le plus humble de ses serviteurs. Il sortit de la grotte. Près du mur poussaient des plantes sauvages. Il en cueillit une petite brassée et, se glissant derrière Marie, il offrit à l'âne qui soufflait doucement sur l'enfant. L'âne parut satisfait et remua la tête. Marie se retourna à demi, prit alors dans ses mains un petit bouquet de feuilles. Approche Joël, dit-elle doucement. Joël s'approcha de ce et se laissa tomber à genoux contre la crèche. Son cœur déborda d'amour. L'enfant ouvrit les yeux et sourit, et tandis que sa mère déposait à ses pieds un ravissant bouquet, sur les tiges qu'avait cueillies Joël venaient de s'ouvrir de délicates fleurs, des roses de Noël, fleurs d'hiver qu'avait fait fleurir l'amour. Vous avez aimé les contes de sœur Jacqueline? je vous propose de continuer notre marche vers Noël en fabriquant une crèche. La première que je vous propose, c'est celle-ci. C'est tout simplement du découpage et un petit peu de collage. Voilà, je vous montre. C'est à imprimer. Vous aurez le lien sur le site du diocèse. C'est une crèche qui vient de Finlande. Voilà, donc c'est tout simple. Hein, du temps pour le découpage et ensuite du collage. Pour les petits animaux, voilà je vais vous montrer quand vous allez découper c'est comme ceci et il suffit de plier sur le milieu suivant les pointillés. Voilà pour la première crèche. La deuxième c'est du découpage mais aussi du coloriage. La voici. Donc vous aurez les personnages donc ce que je vous conseille c'est déjà de commencer par faire le coloriage et ensuite le découpage voilà ce que ça donne voilà, donc j'ai colorié donc ça c'est un mage ensuite vous le découpez suivant les pointillés donc là vous reconnaissez l'enfant jésus et Ensuite, la dernière chose à faire, c'est de coller les deux petites bandes qui sont de chaque collée, côté pardon, avec soit de la colle ou mettre un petit bout de scotch. Et voilà, là c'est Marie. Je vous conseille pour celle-ci de la faire dans un petit carton, un petit peu une feuille un petit peu, un petit peu épaisse. Voilà. La dernière chose, je vous montre, c'est le fond, parce qu'il y a un fond pour cette crèche, donc il suffira que vous découpiez suivant les pointillés et tout simplement de joindre comme ceci. Voilà deux petites propositions qui vont vous permettre eh d'aller jusqu'à Noël. Recette de la paix. En cette fin d'année, nous vous proposons une recette spéciale Noël pour préparer une bûche de la paix. Cette recette est très facile à réaliser. Les débutants peuvent se lancer et elle est surtout très peu coûteuse. Prendre un saladier de générosité, y mettre une cuillerée à soupe d'accueil, casser dessus une demi-douzaine de bonjour, de s'il vous plaît, de merci, de revoir. Mélangez le tout avec votre spatule de sourire. Ajoutez un peu de parole et beaucoup d'écoute. À ce moment, introduire délicatement quelques graines, grammes de levain d'amour. Laissez reposer un bon moment. Détendre ensuite la pâte avec un demi-litre d'aide et un demi-litre de soutien. Bien mélanger. Rajouter ce qu'il faut de tolérance pour rendre votre pâte homogène. Mettre à four chaud en surveillant avec attention. Si en gonflant le contenu déborde du plat, piquez avec une bonne dose de pardon. Quand votre pâte vous paraît bien cuite, roulez-la sur une toile de tendresse, puis la remplir d'une crème de calme et de sérénité. S'aupoudrez d'une pincée d'humour et de compassion. Votre bûche de Noël est maintenant prête à être partagée à tous ceux qui sont autour de vous.